à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme son nom l'indique, c'est une ATC Halloween. Voilà, je vous lance ce papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc pour ces ATC, on va commencer par faire les cartes. Donc 6,4, c'est une taille bien précise, hein, les ATC, si vous vous rappelez pas. C'est 6,4 sur 8,9. Hop, 8,9 et 8,9. Je vais en faire deux. Hop. Orange, le truc qui fait très très bien Halloween, hein, orange. Hop, je vais recouvrir le tout. Hop. Voilà, je vais faire le contour un peu plus foncé. Voilà. Je vais prendre le pochoir, donc là c'est confetti, hop, donc ça va lui donner un petit style de fête, on va dire, mais surtout un petit style vintage sale. Ah, en fait on le voit pas, je vais le refaire, je le ferai en noir au pire, par dessus en noir. Là je vais le faire en violet, hop. Ça fait un petit effet ça là, ça passe. Hein. Donc le violet, je vais faire pareil. Donc j'ai fait la même en violette. Je ne l'ai pas filmé, ça ne servait à rien de refilmer exactement la même chose d'une couleur différente. Je vais faire du noir tout autour. J'ai les doigts sales. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour Halloween, donc. Ça fera un peu plus sali. Hop, bon là je vais faire la violette parce que c'est assez rapide. J'avais dit que je ferais du noir ici, les confettis noirs. Je vais reparler de l'autre côté. Hein. Voilà. Ah, ça fait vraiment sale. Hein. Mais j'aime bien. On va mettre de l'eau. Hein. Pour faire réagir un peu le easing, c'est un peu le but à l'origine. Hop, je vais sécher direct. Je vais faire quelques petites tâches parce que du créa de moi sans tâche, c'est pas du créa de moi. Hop. Voilà.
Donc nouveau pochoir, petit squelette d'Halloween. Hop, on va dire collection 2018. Du modeling past. Et je vais. Faut vraiment que je pense à nettoyer parce que je fais ça souvent à l'arrache et il reste du modeling past d'avant, donc là il y a du vert, un peu de vert, mais surtout que parfois il sèche, donc ça fait des grumeaux, des gros morceaux durs. Ça devrait le faire. Hop là. Et je vais faire le gros sur l'autre carte. Ensuite, je vais faire deux petites étiquettes, donc avec les tampons, hop, étiquette et Halloween, donc celui-ci, mais j'en suis pas sûr qu'il soit encore en ligne. Je suis même sûr qu'il y en a plus en ligne. C'est la collection 2017. Hop. Voilà, tac, le petit Halloween au milieu. Hop, voilà. Ensuite, je vais les découper. Donc voilà, mes deux étiquettes découpées. Alors, je pourrais les distresser comme le font, mais je trouve que blanc, en fait, ça ressort beaucoup plus. Donc, hop, je vais les coller dans un coin. Tac. Et tac, voilà mes ATC. Petites ATC, une sur une, deux sur deux. Voilà, je l'ai pas fait. Hein. J'ai oublié de mettre mon tampon ATC qui devrait arriver cette semaine. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé en réassort. J'attendais, voilà. Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus, mais ils arriveront cette semaine avec les nouveaux pochoirs, les nouveaux tampons. Donc nous sommes le 30 septembre aujourd'hui, donc ils arriveront dans la semaine du 1er octobre, voilà, quand j'aurai réception de mes tampons. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour ces ATC? J'ai utilisé le pochoir confetti en fond, donc qui était une nouveauté du mois de septembre. J'ai utilisé aussi un nouveau pochoir qui va arriver cette semaine, donc la Skeleton. J'ai utilisé les tampons tâche, le tampon étiquette que je n'ai plus en stock si je me rappelle bien, et le tampon Halloween que je n'ai plus en stock non plus. Il n'y a que le tampon tâche. Mais bon, ça donne des idées aussi aux personnes qui ont déjà commandé les tampons avant. Voilà. J'espère que ces petites ATC vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.